Regarde-moi. Regarde-moi. Silence, s'il vous plaît. Je vis au crochet de Manu et Choupa depuis toujours, je leur demande des sous, ils me refusent. Allez, non, non, non. Non mais promis, demain je vous les rends demain. Ah, parce que je l'ai dit deux fois demain. Il a cette révélation que pour devenir riche et célèbre, il va devenir une star de la mode. Je lance ma propre lignée de mode, Hugo de la Vega, avec mon superbe short du bas. Le Master of Master, c'est le costume avec le chapeau, la petite chemise bleue et la salopette. On aurait dit soit un membre de boys band des années 90, soit un joueur de foot qui était remplaçant en tribune. Je me sentais vraiment puissant dedans, c'est très bizarre, je me sentais assez hautain, méchant. Entre les prises d'ailleurs, j'hésitais pas à mal parler aux équipes. Fais-moi un café, sale pute. Oh, c'est pas mon personnage. Tom, fais-moi un café. Ta gueule! Là, ça marche moins déjà, sans chapeau. Éventail, Alfred. Alfred, félation. Oh. Alfred, donc, c'est un ami à moi du théâtre qui s'appelle Xavier. Et pour l'occasion, il nous a fait une petite moustache, qui lui va très bien d'ailleurs. J'espère qu'il l'a gardée. On essaie de le convaincre parce que ça lui donne un petit style un peu Lagerfeld. Voilà. Je sais que Karl Lagerfeld n'a pas de moustache, mais je trouve que ça donne un style Lagerfeld. Comme quoi, je connais vraiment rien à la mode. Nous lançons donc un produit exceptionnel qui s'appelle la chaussette de nez. La chaussette de nez. C'était moche, pas pratique et moche. En vrai, bah, je trouve que ça pourrait être utile. En plus, si jamais t'as le nez qui coule, hop. Parce qu'en hiver, t'as des bonnets pour ta tête, t'as des gants pour tes mains, t'as une écharpe pour ton cou, mais t'as rien pour ton nez. Le nez mériterait lui aussi qu'on le recouvre. Ça gratte un peu, mais au moins ça tient chaud. Attends. D'un point de vue personnel, je rentrais d'un week-end, je me suis fait bouffer par des puces de lit. Voilà, c'est quelque chose que je vous recommande à tous parce que c'est très agréable. Putain. J'ai très mal dormi, donc sur le tournage, je me suis endormi. Alors tout le monde se fout de ta gueule, mais moi, t'es bien. Tu vois aussi, t'as les puces? Faut essayer un truc, ça peut pas être. Les pouilleux. Attends, l'aspouillasse. Mais attends, c'est quoi ce petit lien sur lequel on peut cliquer là? Mais c'est le sketch de dimanche. Tu veux dire que les gens peuvent voir notre sketch en exclusivité quelque part? Tout à fait, bien sûr, en cliquant ici, ils le voient en exclusivité sur MyTF1. D'ailleurs, je vais y aller ce pas. Allez, je clique.